Bonjour, je suis Pierre Ganchagui, marié, deux enfants. J'habite à Vieux-Condé depuis 17-18 ans. Je suis informaticien, passionné de musique, de dessin, et d'écriture. L'écriture, ça fait longtemps. Enfin, j'ai beaucoup lu un peu de tout. Au début par contrainte, comme tous les gamins à l'école, hein, et puis au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il y avait certains livres qui étaient pas mal, qui se lisaient plutôt bien. Donc j'ai pris plaisir à les lire, et genre Sherlock Holmes, j'en ai lu pas mal, SAS, puis livres du même genre, hein, tout ce qui était aventure, policier, c'était plutôt pas mal. Le mystère de 12 Bands, donc c'est espionnage, aventure. Y a pas trop, c'est pas violent, ça se lit assez facilement, même pour un enfant, un ado, ça passera très bien. Et on suit les péripéties d'un gars qui s'est mis tranquillement dans une région tranquille, et puis ça reste pas tranquille. Alors déjà, le décor, je l'ai trouvé par un reportage que j'ai vu sur la 5. J'ai vu un reportage sur les 12 Bands, j'ai dit, oh, c'est magnifique, ça donne une idée. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire. Le reste, c'est venu quand j'ai commencé à écrire. Après, j'ai suivi mes personnages. Moi, je fais pas de plan, j'ai pas trop d'idées de ce qui se passera après. Et donc, j'ai suivi en fonction de ce qui se passait. J'ai dit, oh, ça serait pas mal. Et puis après, il y a aussi les informations, il y a aussi les gens avec qui on discute. La vie de tous les jours, c'est aussi des gens qui se rendent pas compte, qui font partie de notre scénario, quoi. Mais on leur dit pas, hein. Si un jour ils lisent, ils se rendront peut-être compte d'un truc ou deux. Mais par exemple, hein, le chien de mon héros, c'est mon chien. Et donc ça, c'est l'anecdote. À travers mes livres, je veux surtout que les gens y prennent du plaisir à les lire, qui se sentent bien dans mon élément, qui trouvent mes personnages sympas ou carrément stressants. C'est un peu mélange selon les personnages. Mais en tout cas, je veux les emmener. Je veux qu'une fois qu'ils soient dedans, on m'a fait plusieurs retours à ce niveau-là. Le début, c'est pas forcément super rapide et tout. Puis au moment où ça démarre vraiment, les gens, ils ont plus envie de laisser le livre. Et c'est ça qui me plaît, quoi. Et les retours, j'ai eu une anecdote d'un ancien directeur informatique il y a 10 ans. J'avais fait une communication et grâce à ça, il avait découvert mon livre. Il m'a fait un retour. Il dit, je viens de finir ton livre, c'est génial. Alors que le mec, j'avais pas de nouvelles depuis 10 ans. Et c'est toujours plus d'anecdotes. C'est génial. Moi, c'est ce que je veux. Après, je veux pas en faire mon métier. Hein. Un métier, ça va, j'en ai un. Et qui me plaît, donc. Mais par contre, si je peux participer à sortir un peu les gens de leur routine en les emmenant ailleurs. Là, par exemple, je les emmène en Irlande. Et franchement, c'est super sympa, quoi. Là, je suis en train d'écrire un deuxième, donc avec les mêmes personnages, un peu une suite, mais celui-là, celui tout seul, et il peut lire. La suite, ça va juste combler certains vides et ramener forcément d'autres choses. Et en parallèle, j'ai commencé à écrire un thriller, mais là, c'est vraiment dans un style totalement différent, et ce sera plus pour les enfants. Donc, le livre est disponible aujourd'hui sur Amazon. En format broché, comme celui-là, 350 pages, ou en format électronique, et sur la plateforme Kobo de la Fnac, donc pour un livre électronique. Et il sera aussi disponible ici en location à la bibliothèque de Vieux-Condé, que je vais remercier pour cette publicité, plateforme qui a vraiment permis d'ouvrir un public que j'avais pas prévu au démarrage. Donc ça fait plaisir.